On se retrouve pour un vlog. En fait, on est à la fin de l'après-midi parce que le maréchal est arrivé très tôt, enfin en avance en tout cas. Donc du coup, on n'a pas eu le temps de faire l'introduction. Voilà, bah, je vous laisse avec le vlog. Ouais, ils sont là-haut, ouais. En fait, j'ai vu Jackpot parce qu'il est blanc. Allez, venez! Je vais me mettre sous les sapins. Ah, mais les sapins, ils sont trempés quand même. Ah, Lily! Doucement, elle s'énerve. Venez, Messano! Il croit qu'il y a les vrais. Ouh là là! Doucement, doucement. Non mais... Doucement, illico, illico. C'est peut-être pas mal, j'en ai rien. Doucement. Salut ma fille. Du calme. Ah, il a peur des pouces. Il... Jackpot. Arrête. Voilà. Viens, s'il te plaît. Allez, venez. Hé, doucement. Arrête de me suivre, Jackpot, parce que tu fais peur à un indien. Je sais que t'as peur de lui. Prends sur toi. Allez. Et si tu sors pas? Hé, y a Pinocchio à sortir. Ah tiens, il est grave, hein. Il est tellement en panique à cause des autres. Du coup, c'est Pinocchio qui est en prums. T'as soif, mon Pinocchio? T'as soif? Ils étaient sous les arbres, ils ont pas dû kiffer, hein, parce qu'il y a des épines et des feuilles, hein. Je pense. Bon, ça va, on est pas mal par chez nous là aujourd'hui. Tu vas aller en Sylvestre. C'est de la neige là-bas. À peu près, bon, du vent un peu de soleil. Mais là, ouais, aujourd'hui. Là, bah, ça s'est salé. Eh, poudre. On met les nouvelles chaussures. C'est mon endroit préféré. Ouais, pourquoi je tiens bien la crue, hein? Parce que Lily est confortable. Non. T'as mal au... C'est un banc.
Pinocque. Il est robe de chambre. Il est trop mignon. En robe de chambre, ouais. Il y a le parasol qui fume, hein. Il y a le parasol qui fume, hein, Francky. Là. Ah, mais il a percé. Il était déjà percé? Oui, ça condense si tu veux, mais j'avais peur comme. Il est mouillé alors il doit s'échapper. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, il y a du brouillard, par contre. Entre avec les serviettes, sinon. On va mettre une petite couette. Ça va être trop cool. Ça chauffe mon Pinocque. Ça chauffe. Vous fumez vous aussi mes sanons, hein. Il fume. Regarde, regarde ce qu'il a fait, Francky. Il a fait un petit cœur. On va l'accrocher dans la future série. Ah bah oui, ça c'est sûr, oui. C'est moi qui gère Indien, tu ramènes Lily, c'est ça? Non, là j'ai... Ah ok, tu la lâches, d'accord. Mais non. On fait les pieds, t'inquiète pas. Beaucoup de balades et puis là-haut, tu crois que j'ai des bonbons? Signature quand même. Merci, ouais. Indien. Merci. Merci pour ta contribution à payer. Ah, il avait soif. Sèche mon Pinocque, sèche, sèche, sèche. On dirait des bébés. Encore, dis-donc. Eh ben. Comme si elle avait pas rentré. Ah, Pinocque. Oui, bah, ça fait une demi-heure qu'il a bu. Il a la flemme. Il a la flemme de rentrer sa langue. Il se barre. Tu te barres quand je mets ta couette. Non, bah, elle se règle. Si je mets. Pourquoi on a froid comme ça, non, purée? Vous n'avez pas... Non, mais c'est quoi ça? Vous avez une réserve de chaud. Et oui, ils ont dû avoir plein de vent et puis ça a dû tomber sur lui, mon pauvre bébé. Non, 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 non. Viens voir la Mondianos. Les beaux pieds, hein. Viens. Indien. Voilà. On arrive, Ifi. Sinon, on a trop froid. Vous avez pas froid, vous? Voilà, grosse patate. Non, j'ai pas mis en sous le bidon. C'est juste, hein. Non, mais Pinocque, sérieux. Voilà. C'est bon, mon gros. Vous voulez un petit bonbon? Non mais il a compris, hein. Allez, on rentre. Indien.
Oui, ma chuchu, on arrive. Allez. Hop. Oh, quel temps de merde. Vite, 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 vite. Allez, le salon. Avant que les fous, ils arrivent. Allez. On se retrouve une heure plus tard, on a séché, non, pas une heure plus tard. On s'est réchauffé et maintenant on retourne se mouiller et avoir froid. Mais c'est pour le bien des animaux. Ils n'ont pas besoin de ça. Et je vais aller voir si ma chuchu elle a pas froid quand même. Attends. Il y en a une fois qu'il apparaît là-bas. Oui. Oh. Il est déchiré. Non. Il est mouillé, c'est tout. Allez. Viens ici. Allez. Ici. Ah, voilà les mini. Ici. Tiens. Oh, on vous embête encore. Est-ce que t'as froid? Non. Oh, mais celui-là, il est en train de se déchirer. Ah, la Lily. Doucement, hein. Là, c'est ici, doucement. Jackpot. Madame, fais gaffe, c'est moi là. Oh, on me sort les deux là. Mais oh, arrête un peu, hein. Tiens. Bah, elle est belle. Viens voir Lily. Voilà. Eh ben. Ah, oh, il va se coincer le nez. Je sais, c'est en couleur. Ah bon? Oui, il mange du foin, lui.
Bah oui, vous avez des couvertures parce que vous êtes le papy. Lily qui vire les poneys. Ça sert à rien, il n'y a plus rien, ouais, ils ont fini. Bah oui. Va Pinocch, la coloration. Oh, on dirait que tu le... Hey, tu sais à quoi ça me fait penser? De la bétadine. Bon, ma chouchou n'a pas froid, je confirme. Ouais. Je ne culpabilise pas. On les considère trop comme nous. C'est-à-dire que nous... Anthropomorphisation. Oh là. Allez, fais un petit peu de la porte. Chac. Bisous, à papa. Donc voilà, le maréchal est passé et nous avons donné les rations. On va commencer par du coup le maréchal. Lily, elle a toujours ses fers du coup, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos et même sur Instagram. Lily sera toujours ferrée maintenant puisque elle a son problème d'arthrose. Ensuite, elle a aussi une plaque de cuir. Donc ça, elle l'avait déjà la fois d'avant. Pour encore plus amortir. Comme ça, c'est mou et du coup, c'est un peu plus souple. Et elle a aussi les pneus neige, que j'appelle ça. Donc on vous insérera de toute façon les vidéos. Puis vous avez vu quand le maréchal, il installe tout. Donc c'est un petit boudin de caoutchouc noir tout le long du fer. Comme ça, la neige, elle l'accroche pas. Elle fait pas des gros tacons. Comme ça, je serai pas embêtée. Et puis même elle, quand on part en balade ou même quand elle est au pré, quoi. Faut pas que ça... Enfin, c'est... Après ça fait glaçon, puis après elle est sur des talons. Et il a aussi fait indien du coup parce que, alors l'hiver déjà j'ai la flemme de le faire moi. Ça devenait urgent parce que ça commence à être vraiment long. Et puis en hiver il fait froid, enfin moi j'ai clairement pas envie quoi. Donc bah je préfère payer et que mon âne ait les beaux pieds. Donc du coup on a fait voir que les deux là parce que bah du coup Lily vu qu'elle arrive à la fin de sa ferrure. Ifi, elle avait pas besoin. Et les deux mini, bah, ils avaient pas besoin non plus. Et Pinocch non plus. Parce que Pinocch, on le fait une fois tous les 6 mois, même pas. Parce que son pied, il pousse quasiment pas. Comme vous avez pu le voir, on a préparé les rations. Et attends, parce que mon meuble, il va casser. Attends. On a préparé les rations en rentrant du coup du maréchal. On a rentré les animaux. Puis, on est venu faire les rations. Et j'ai mis de l'eau dans ceux des ânes. Parce que ils me font des bouchons quasiment à chaque fois. Et Indien, il en a fait. Hein, on a dû y faire passer de l'huile et tout. Donc, voilà. Alors, Ifi, elle a pas l'air d'en refaire avec les pierres de sel et les cailloux. Donc, ça a l'air d'aller. Mais si ça va pas, de toute façon, je mettrai de l'eau pareil. Et on laisse gonfler au moins 15 minutes. Le vétérinaire a dit ça. Donc au moins 15 minutes, voilà. Parce que Indien m'a fait un gros bouchon et j'ai vraiment cru que le veto viendrait parce que moi j'arrivais pas à m'en sortir avec lui. D'habitude je masse quelquefois, ça dure je sais pas 5 minutes même pas. Et là plus d'une heure et demie après c'était toujours pas correct. Ma mère est passée chez le veto puisqu'elle était en bas. Donc elle nous a dit faites-le boire de l'huile. Donc on lui a enfoncé de l'huile, il a bu presque 1 litre d'huile. C'était pas très agréable pour lui ni pour nous, hein, je vous rassure. Et elle a dit faites-le marcher la tête en bas. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi j'étais toute seule les 45 premières minutes. Puis ma mère est arrivée, elle lui mettait presque des coups de poing dans le... Ici quoi, pour que vraiment que ça se débloque. Et ça s'est débloqué avec l'huile et tout je pense. Et à la fin, on n'avait plus trop d'espoir que ça se débloque. Et ben on lui a mis de l'eau chaude, sucrée, pareil en seringue. Et du coup je pense que ça l'a aidé aussi à avaler et du coup ça s'est passé. Et après là, il était tout fatigué quoi. Mais bon, tout va bien, il a mangé le soir, il mange, il va bien. Du coup, c'est arrivé même si j'avais mis plein de pierres de sel, parce qu'un Indien, je sais qu'il mange toujours vite, donc je lui mets toujours plus de pierres de sel qu'aux autres. Et du coup, c'est quand même arrivé, donc maintenant, je mouille que celle des ânes pour l'instant, et comme je vous ai dit juste avant. Si ça va pas pour ici, ou même Lily ou quoi, et ben, je mettrai de l'eau partout, et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme vous avez pu le voir, on a fait une vidéo un peu nulle. Je suis le maréchal parce qu'en fait, il pleut et il fait pas très beau. Donc on avait la flemme de faire quoi que ce soit. On avait prévu notre petit programme. Ben, on n'a pas eu la foi ni l'envie parce que puis, de toute façon, même les animaux sous la pluie, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain, bisous.